Yo la Soul Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nightwave Souls. Et donc voilà, on a reçu une petite annonce ce matin donc dans les actualités du jeu. Donc il parle de la mise à jour 5.4 prévue début décembre. Mise à jour très importante et très intéressante. Bon, ils disent prévue début décembre, ça veut dire que cette mise à jour aura lieu, parce que ça fait un moment qu'ils parlent donc de la gestion des Soul Tickets, justement, qui sera là pour cette mise à jour là. Donc on commence directement par ça. Nous prévoyons d'augmenter la limite maximale des Soul Tickets qui se rechargent avec le temps. Nous prévoyons également de vous permettre d'utiliser plusieurs Soul Tickets à la fois dans certaines, certaines quêtes. Il vous sera ainsi plus facile de jouer quand vous le voulez. Donc ça c'est pas mal, ça fait un bon moment qu'on attend c'est la gestion des Soul Tickets hein, pour pouvoir terminer par exemple les événements à points plus rapidement, si on pourra le faire bien sûr. Et que voilà, les tickets on en aura beaucoup plus et que je pense que ça va être 10 tickets à la place de 5, enfin je pense. Et qui vont se recharger un peu plus vite aussi, donc ça c'est pas mal, franchement ça fait grave plaisir. Et donc voilà, après on a la conservation de l'équipe de Brave Battle. Jusqu'à présent, la dernière équipe utilisée pour une quête était sélectionnée par défaut lorsque l'écran des Brave Battle était ouvert. Nous prévoyons de changer d'équipe par défaut pour la dernière équipe utilisée en Brave Battle. Nous espérons diminuer les occasions où une Brave Battle est lancée avec une équipe par erreur. Ah ouais d'accord, bon moi je... Enfin... Moi j'ai jamais eu de problème de ce côté là, donc ça va, c'est cool, mais voilà, pour les joueurs qui ont déjà eu ce genre de problème, ben c'est bien d'avoir pensé à eux, franchement, c'est cool. Après vous pouvez voir hein, les gars, nouveaux accessoires, ça c'est ouf ça, il n'y a pas longtemps je me rappelle, je discutais avec des gens sur Discord, et on parlait d'éventuellement de nouveaux accessoires qui pourraient y avoir, ça, franchement, et là il annonce, c'est vraiment cool en fait, ça fait plaisir. Parce qu'on va dire que la hype des Aori, Yuki, Papyrus et tout ça, elle est un peu tombée. Voilà, à part le Golden, hein, le Golden il est toujours aussi hypant. J'en ai zéro sur mon compte principal, à part sur mon petit compte. Il y en a qui sont tapés pas mal de Golden, hein, GG à eux. Mais voilà, ça serait cool. Peut-être qu'on va avoir un petit, je sais pas, hein, un petit bandeau de la justice Golden, un petit corps céleste Golden. Bon, je ne verrai pas l'utilité de ça, mais... On va voir, hein, peut-être un tout nouveau truc, hein, un Golden tout nouveau truc, je sais pas, hein, peut-être un Kikanshiki 5 étoiles Golden qui pourrait exister, enfin on verra. Franchement, en tout cas, j'ai hâte de voir les nouveaux accessoires, vraiment hâte. Donc, compte tenu des futures mises à jour, choix des phrases dans les quêtes coop, nous prévoyons de vous permettre de choisir les phrases pré-programmées que vous pourrez utiliser durant les quêtes coopératives parmi une grande liste. Des problèmes techniques nous empêchent de nous engager sur un calendrier concernant ces fonctions. Nous nous excusons auprès de tous les joueurs qui attendent cette fonction depuis notre annonce originelle. Ouais, donc ça fait aussi pas mal de temps qu'ils l'annoncent, mais comme ils le disent, voilà, ils ont un empêchement technique. Et voilà, c'est pas de leur faute, hein, c'est déjà bien ce qu'ils font sur le jeu. Donc voilà, on est assez content. En tout cas, l'annonce des nouveaux accessoires, on va dire que ça fait un bon petit coup de boost. Hein. Voilà, ça motive un peu puisqu'on se dit qu'il y aura des nouveaux accessoires. Donc franchement, ça motive de ouf. Donc voilà, je suis super content, les gars. J'espère que cette petite vidéo information concernant la mise à jour 5.4 vous aura plu, les gars. N'hésitez pas de regarder vos actus tous les jours à 8h du matin maintenant, plus 9h, parce que vous avez souvent des informations dedans. Hein. Et donc voilà, pas besoin de nous attendre qu'on fasse une vidéo pour vous l'informer. Après, si vous préférez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous pouvez toujours vous informer vous-même du jeu dans les actus. Donc voilà, famille, sur ce, pour les nouveaux, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les anciens, à lâcher un petit like. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur Nightwave Souls. Ciao la famille coupée.